Johnny. Salutations petits amiraux et grand capitaine, ici StarCat votre hôte et nous nous retrouvons pour une vidéo du premier de la classe avec commandant Falco qui est dans son lion, cuirassé français de rang 7, je le rappelle. Il est en division avec Master Cloudy qui est en Duke of York, donc cuirassé anglais premium de rang 7 et Leningrad pour Mori 30, destroyer donc de rang 7 et je crois que c'est un, je suis pas sûr mais je crois que c'est un premium aussi. Alors une fois qu'on aura la main à nouveau après le début de la bataille, on regardera les équipes. Voilà. Alors en face il y a un Bismarcking George V, de Charnor, c'est un Dunkerque. Donc il y a affaire à forte partie quand même. Mogami, De Grasse, Nuremberg pour les croiseurs. Mogami faut faire attention. De Grasse aussi c'est un bon navire, hein. S'il est bien manœuvré. Nuremberg c'est pareil, il faut faire attention à l'éviter, mais le problème c'est que les Nuremberg, c'est soit ils sont des grands suicidaires, ils vont tout de suite devant et ils sont détruits, soit ils restent à l'arrière et ils tirent parti de leur distance de tir de 16 km, et là ça devient vraiment un problème de harcèlement terrible. Leningrad, Farragut, Gaede, Fubuki, je connais pas bien les destroyers, sauf que Leningrad sont des contre-torpilleurs normalement, logiquement. Farragut, c'est un bon destroyer, je crois aussi. Gaede, bon, il n'y a pas de l'allemand donc c'est la bonne qualité allemande. Et Fubuki, ben, c'est un destroyer japonais donc bon torpilleur, logiquement. Alors dans l'équipe Ami, nous avons Tirpitz, le Duke of York de Master Cloudy, Lyon, Gneisenau et Prince Ethel Friedrich, donc très bon navire de rang 6 allemand, cuirassé donc, croiseur de bataille plutôt on va dire, parce que vu son calibre, sa vitesse et sa manœuvrabilité, c'est plus un croiseur de bataille, parce que son blindage n'est pas extraordinaire. Donc Chapaïev de Nuremberg pour les croiseurs, Leningrad, Icarus, Aigle et Aide pour les destroyers. Alors il y a pas mal de contre-torpilleurs. Master Cloudy et Falco se font des petits bisous par bien sûr Cornes de Brume interposé. Il a un camouflage de commandant je crois pour 100% là, au commandant, enfin au expérience commandant. C'est pas le retour à l'école je crois. Bon ils font plaisir tous les deux. Sur Discord ils devaient bien se marrer. Kadaboom. Non, manquer le destroyer pour le Master Cloudy, mais notre ami Falco, j'aime bien le camouflage, il va bien avec la lumière en fait. Il a une bonne petite. Enfin il a un côté pastel qui est très intéressant. Un petit De Grasse a explosé là. Allez. Il s'est montré le De Grasse, il aurait peut-être pas dû. Et surtout il aurait dû accélérer au max. Il attend un petit peu de savoir comment, dans quelle direction il va se... Voilà. Bon, tant pis. Je pense que le De Grasse attendait les contre-fumées d'un destroyer et il s'est pris quand même, allez, 10 000 points dans la tronche quand même. Hein. Et on a King George V de l'autre côté. On a un destroyer qui est juste à côté et là on a quand même... Il va dire qu'il débarque aussi hein, du côté de l'île donc... Et on a vu Mori qui était passé au combat aussi. Il fait un peu attention quand même à ce qu'il fait. Et bon c'est vrai que là il faut qu'il assure aussi la protection du croiseur et des destroyers qui sont là. En prenant à part en prenant à partie le Dunkerque, notre ami Falco. Ouais, 14 400. Allez hop, Dunkerque qui se met de flanc, ça par contre c'est un petit peu une erreur, mais bon. Il y a l'impression qu'il s'offre en sacrifice là le Dunkerque. A-t-il compris? Ouais, il change de direction. Leningrad a eu la Chapaïev en face. Le Dunkerque semble pas changer de direction. Non, il semble ralentir par contre. Non, bah non, pas vraiment. On a un Gaede aussi qui le protège. 8800, allez hop. Master Cloudy est en train de tanker là-bas au centre, protégé par. En tout cas, tout est repérable grâce à Mori. Et là, notre ami Falco, il attend leur apparition. Bref, bof.
C'est mieux de ouais, frapper sur le Mogami. Qui a commencé à tourner aussi d'ailleurs. 2508, ça c'est un char noir qui lui tire dessus. Touché. Pas extraordinaire, mais touché quand même. Donc la demi-tour. Ça va être une sacrée bataille au niveau de la ligne EF là à l'ouest là. Hein. Tout le monde est réuni, c'est deux lignes de bataille qui vont se affronter là, ça va être terrible. C'est à ceux qui viseront le mieux auront plus de chance. Parce que toutes les flottes, les deux flottes sont là, toutes les deux. Dunkerque s'est enfin mis de face. Ça n'empêche pas de prendre bon, pas grand chose, 250. L'Icarus attaque le guidé. Ça va être là aussi, c'est pareil, c'est un duel un peu inconfortable pour l'Icarus, je pense, à mon avis. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, c'est parti, il est rechargé. Ouais, il passe en explosif, c'est ce qu'il fallait faire, bravo. Oh, c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Hein. Il aurait été en explosif, il aurait fait mal là. Donc il a touché quand même 4 fois. 4 fois sur 7, c'est pas extraordinaire, mais bon. Et ça y est, il se remet en deux flancs le Dunkerque. Pas de bol. Incroyable. Comme s'il avait su de façon, je sais pas, prémonitoire que le lion était chargé en explosif, quoi. Incroyable. Bon, il met quand même deux incendies, hein, c'est pas rien. Un Nuremberg tire piste dans l'équipe amie qui a été explosée, mais je pense que le Dunkerque il va le finir. Il y a de grandes chances quand même. Avec 16 obus de 340 qui tirent là, ça va être quelque chose. Le Scharnhorst lui aussi est très endommagé. Incroyable. Je pense que c'est une prouesse de Massacre Cloudy. D'ailleurs, tiens, bizarrement, il se concentre sur le Scharnhorst, c'est étrange. Ouais, c'est-à-dire que le Dunkerque était parti. C'était une erreur, il a ralenti, mais en fait il peut pas savoir qu'il allait ralentir au moment où il allait tirer. Hein. Dunkerque toujours en forme, le char Norse non. La surpénétration. Et là, quelqu'un d'autre qui tire dessus, là, c'est un autre cuirassé, je pense. C'est le Bismarck. C'est un peu dangereux ce qu'il fait, mais s'il prend un bon risque. Oh là, oh, 11 000. Le Dunkerque est très très mal. Attention. Ah, c'est un peu. Alors, il veut faire un dernier mouvement au dernier moment ou. Ah, il peut finir le Scharnhorst. Il peut finir le Scharnhorst et le Dunkerque. Ah non, il a pas eu. Quelqu'un d'autre l'a eu, mais il a pas eu, c'est dommage. Ouais, il tourne au bon moment, là, juste devant la village, là. Oh, il y a un Kilo 5 tout près. Oh de Dieu. Ça va être chaud. Ça va être chaud, les marrons. Il n'y a pas trop le choix, il est obligé de se mettre de flanc. points, oh là 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 là. Si les Oh, c'est pas vrai. Il a pas réussi à profiter du flanc, le King George 5, qui se répare très bien d'ailleurs. Incroyable. Bien joué de la part de Falco. 4 secondes de rechargement, attention. En plus, il doit y avoir le bout d'adrénaline à tous les coups. 5900 et l'autre reste de flanc. Hein. Master Cloudy là, est en train de l'appuyer sur le côté, je pense, à mon avis. Là, ici, c'est le moment où jamais se faire mal, hein, je pense. Et il tire pas sur le lion, incroyable. Moi j'aurais tiré à l'arrière, essayant de percer l'arrière, quoi, je pense, à cause du blindage arrière. Oh joli. Oh du tchou. Allez, finis-le. C'est bon. Bravo.
Superbe tir. C'est-à-dire que l'autre s'était aventuré tout seul là, entre dans le feu croisé de trois cuirassés quand même, hein, donc pas très malin. Maury, Master Clovis sont toujours vivants. Maury semble aider le destroyer à l'ouest contre le cuirassé. Voilà. Que va faire Falco maintenant? Il va tirer un petit peu loin de la bataille. Un Mogami là-bas. Oh! Si vous pouvez bien viser là, ce serait nickel. Il attend de savoir. Ah, dommage. Vraiment dommage. Impossible d'avoir la visualisation dessus. Impossible, non. Une 35 avant le réparation régénération de coque. Ah ouais, mais bon. Surtout que là, ils sont à 4 contre. Ah ben non, c'est bon. Ils sont à 7 contre 5. Hein, donc ils commencent à gagner. Le cover de Master Cloudy et Luga aidé. Tranquille. Mori repart vers là-bas pour essayer de repérer le, à mon avis, le Mogami. Ils ont dû se le dire sur le Discord. Mori, faut que tu ailles. Est-ce que tu peux aller repérer le Mogami? Leg détruit. Ouh, 6 à 5. Ça commence à venir chaud. Voilà le Mogami. Il est enfin repéré. Ouais. De grâce aussi là-bas. Ils sont tous regroupés sur leur base en fait. Ils attendent. C'est pas un bon plan d'y aller quoi. Un petit peu en arrière peut-être. Non, raté. C'est le moment de foncer en peut-être, peut-être un petit peu là. En plus, il y a 30 secondes avant la réparation, ça devrait le faire. Gaël est détruit par de grâce. 5 partout. Ça devient chaud. Mais bon, le Mogami semble être en mauvaise posture vu qu'il y a les torpilles qui dirigent vers lui. Lingrad est mal aussi puisqu'il est repéré peut-être par Charnhorst. Ça devient critique là. Le navire qui coule la prochaine, c'est pratiquement la personne, l'équipe qui gagne. Hein. Donc là, le voilà. Et hop là, et il coule en fait, il a pris une torpille. Hein. Là, il va ranger tout le monde en fait, il va rendre service en coulant le Mogami, je suis sûr. Voilà. Excellent. Et le de grâce. Alors c'est bien avec le lion, c'est qu'on peut utiliser les deux tourelles avant, deux tourelles arrière de façon à faire 8 canons de chaque, c'est vraiment incroyable. Ce navire est génial quoi, pour ça, c'est qu'on peut faire deux volets différents de 8 obus. On peut finir un navire avec deux tourelles et finir un autre navire avec deux autres tourelles quoi, c'est incroyable. Je crois que c'est le seul navire dans ce cas là qui est vraiment intéressant quoi, à jouer au niveau du nombre d'obus tirés. Il y a aussi le Normandie, mais lui c'est 3 tourelles de 4, hein. Là c'est 4 tourelles de 4. Leningrad a coulé le Charnhorst et plan, allez. Trois navires coulés, il reste le Bismarck quand même. Lord of Hara. Allez, il peut l'avoir peut-être. Bon, de toute façon ça va être chaud, hein, mais bon, Bismarck contre Lyon. Bismarck a plus de chances de gagner. Mais au niveau de la puissance de feu même, le Lyon le bat en fait. Ce qui est vraiment bizarre. Hein. Niveau dispersion, c'est pas ça, mais au niveau puissance de feu, il bat le Bismarck. Hein. C'est du 340 mm, mais en fait c'est du 380 en face. À courte distance, le Lyon il explose le Bismarck. Hein. C'est dur à dire. Hein. Mais peut-être que dans la réalité aussi, il aurait pu exploser le Bismarck à courte portée. Hein. Ça dépend toujours de la vraiment de la portée quoi. Et ouais. Ah oh. Un goût, ça. Il y a peu de chance de l'avoir quand même. Mais il peut l'avoir, il peut l'avoir, il peut l'avoir. Il connaît bien les destroyers. Nah, dommage. Pour 104 points de structure, j'y crois pas quoi. Il aurait été chargé en explosif, il l'aurait eu. Mais il peut pas savoir non plus. Hein. Paragou détruit par Leningrad de Mori, parfait. Bah ceux qui restent, c'est 3 survivants. Hein. Mori, commandant Falco et Master Claudis, et ils ont fait 8 kills quand même. Hein. 8 destructions quand même pour le clan. Bravo. Bismarck, il reste plus de Bismarck, ils vont être plusieurs. Ah là, c'est le Bismarck qui commence à le prendre en cible. Évidemment, on dirait que le Bismarck il est. Il est pas. Il n'y a pas de. Il n'y a pas qu'il y ait de camouflage. Bizarre. Et hop, en explosif pour déclencher quelques incendies si on peut.
fait quand même que dégâts en plus. Dommage que j'ai pas les replays des deux autres parce que j'aurais pu faire une bataille coordonnée. Ah bah il est mal là son là. Je pense que c'est un des deux navires qui va l'avoir, un des deux destroyers là, voilà. Bah c'est Mori. Bravo à lui. Allez, on se retrouve pour les statistiques, commandant et capitaine et amiraux. Et nous voici donc sur les statistiques de la bataille de commandant Falco sur son lion. Une fabuleuse bataille s'il en est, et donc il a reçu 260 000 crédits, 8013 points d'expérience, 1685 points d'expérience libre, ce qui est énorme. Donc 127 000 points de dégâts, donc c'est deux fois son rang x 10 000 quand même, il faut bien le savoir. Ah non, c'est du rang 7 le lion, donc c'est deux fois, c'est presque deux fois son rang x 10 000, mais de toute façon, c'est un cuirassé de rang 7, et il a fait au moins deux fois ses points de structure, je pense, au niveau des dégâts infligés. Donc ça vaut le coup franchement de se dire que il a fait une excellente bataille, pas parfaite, mais excellente. Il faut dire que son duel avec le King George V a été assez homérique. Donc 84 coups à la cible par la batterie principale, 3 navires détruits, 4 incendies provoqués, 34 coups à la cible. Vous voyez, c'est pas extraordinaire, mais il est premier de la classe. Donc on va voir pourquoi. Alors déjà, il a fait 1592 points d'expérience, donc la bataille a duré très peu de temps finalement. Duke of York, donc Master Claudie et Mori ont fait 1377-1375, donc les 3 ADML, les 3 sont en tête de l'équipe, bravo à eux en tout cas. Je les félicite en tant que commandant en chef des ADML. Et donc en face, quand on regarde les scores, on se rend compte que l'équipe n'a pas été si mauvaise que ça, elle a été un petit peu désordonnée à un moment, ce qui fait que les 3 joueurs que sont Falco, Master Claudie et Mori 30 s'en sont sortis et l'ordre en est. Bon, ben, rien à dire de particulier là-dessus. C'est une bataille qui a été assez sympa, assez épique, faut bien le dire. Et j'ai que ça en fait, j'ai pas la feuille des récompenses, c'est dommage. On va juste regarder la feuille des dégâts. Alors, dégâts, 56 000 points de dégâts infligés au King George V coulés, et c'était vraiment un duel épique. Il a failli se faire couler par le King George V, franchement, hein, failli. De grâce coulé 12 000, le Mogami coulé 2798, bon ça. 45 000 points de dégâts sur le Dunkerque, 4750 sur Charnhorst, 4052 sur le Bismarck, il y en avait à côté un autre, je pense, un destroyer, mais on voit pas les dégâts qu'il a fait, qu'il a infligé. Alors 127 000 points de dégâts, donc il a tiré en tout 268 plus 32, bah exactement 400. 400 obus. Pardon, 400 que je raconte pas. 300 obus. Alors par contre, il a pas fait une précision extraordinaire. C'est-à-dire que bon, à longue distance au début, tu peux pas faire de bons scores. Donc il a fait un score de moins de 33%, il a fait un score de peu près, je pense, 29-30%. Ce qui n'est pas si mal que ça, hein. Moi je fais toujours du 25-30. Hein. Donc non, c'est pas mal. Bravo, en tout cas. Et 6270 par les secondaires, 9661 d'incendie infligé par les secondaires ou par quand il a tiré en explosif aussi, je crois. Donc navires de guerre détruits, 3 navires de guerre endommagés, 4, donc ça fait 7 navires de guerre endommagés et détruits. 7094 points de dégâts grâce à détection, donc il est un peu normal. Incendie provoqué grâce à détection, 1. Dégâts potentiels, 1 299 000 pour ce genre de navire, c'est pas mal du tout. Surtout au rang 7 comme ça. Donc bon bah ça va, il a bien tanké. La bataille a duré 14 minutes 31, n'est pas si grande que ça, mais c'est une moyenne moins. Voilà. 58 000 points de dégâts reçus, donc il a quand même pas mal encaissé, hein. Faut bien le dire, il a eu un peu de chance, enfin de chance non, il s'est bien placé par rapport au King George V qui n'a pas extérieurement joué, je pense, lui, en restant deux flancs comme il l'était. Je sais pas si le King George V en restant deux flancs comme il l'était était bien conscient qu'il allait se faire couler par le lion, je sais pas. Il pensait peut-être se débarrasser du lion plus vite qu'il pensait, et finalement le Falco s'est débarrassé de lui avant. Faut dire que Falco avait l'avantage d'avoir 16 canons au lieu de 10. En face, il avait 10 canons de 356, là il avait 16 canons de 340. Donc même au rang 7, le lion est redoutable pour tout navire de même rang, quoi. Redoutable dans le sens où même il est supérieur à tout navire de rang supérieur. Non, c'était une bataille de rang 6 à 8, je crois. Donc bravo en tout cas à toi Falco pour cette super bataille. On va s'arrêter là parce que malheureusement je n'ai pas la feuille des récompenses. Au niveau des points de répartition des points d'expérience, enfin en tout cas pour mon pourcentage, je pense 95% c'est les points de dégâts infligés, navires coulés, et 5% pour les dégâts potentiels. Voilà, c'est tout. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi je vous laisse parce que je n'ai pas la feuille de récompense. Allez, ciao petits capitaines et grands amiraux. Rompez, portez-vous bien.
死んでいる。何？